Partez. Voilà, 5h21, on attaque la petite marche vers l'enclos. On se sent à peu près bien. Comment ça va, Philippe? Ah ouais? Bon, allez, mon débouné. Allez, tire. Voilà. On arrive sur l'enclos, un petit peu de plat, ça va faire du bien. Bon, ben ça va. Ça fait 6 heures qu'on marche là. 6 heures qu'on marche et écoute, jusqu'à maintenant, tout va bien. Et puis cette belle vue sur le volcan, ça. Voilà. 7 heures de marche. Un peu au ravito. Bientôt la soupe chaude. Non. On est content. Un peu l'oignon avec les cocons. Voilà, 1955, le paysage, volcan. On se gave. On se gave. Graines de sable. 8 heures. Ça déroule. Ça déroule grave. C'est une bonne pause. Attends, ça déroule. Allez, ça déroule. Oh putain, Philippe, il déroule. Déroule devant. Hop, hop, hop. Nous voici dans les pâturages. En descendant. À peu près une quarantaine de kilomètres accomplis. Peut-être un peu plus. Philippe, comment ça va? La voz sigue llamando, desde yo a despertar, la noche para decir. Ça commence à devenir sérieux, plus dur. Le temps n'est pas là, pas vraiment de la partie. Et... est très boueux. Puis là, à peu près 60 km, on commence à avoir les jambes lourdes. Voilà, on est juste en dessous du gîte du Piton des Neiges. Enfin, j'espère qu'on est juste en dessous parce que ça commence à faire long. Merci. Bon ben voilà, 20h37. On quitte là-haut. C'est bien fait rincer. On a des belles ampoules. Bien,
mort parce qu'on a toujours pas dormi. On est bien mort, on a toujours pas dormi. On est 20h37, on va dire qu'on a dû marcher beaucoup à 18h. On a fait 70 km. Voilà, allez, c'est reparti. Pour l'ascension du Taïdit. Et le grand raid commence maintenant. Il paraît que le grand raid commence maintenant. Bon, nous voici à Marla. 25h, ça n'est pas. Et puis on voit qu'il y a plein de papillotes par là. Partout les papillotes. Bon ben nous aussi, on va faire la papillote. C'est le passage technique. La passerelle. Au nom de Dieu. Wouhou ! Ça bouge. Nous voici au deuxième jour de notre épopée, sachant que les jours comprennent aussi des marches de nuit. Voilà, il est 6h08, donc 30h07 de... Non, pas de marche, parce qu'on a quand même dormi une heure, enfin on a essayé. Et on s'est caillé comme jamais. Alors on est reparti. Et puis voilà, on est frais comme des garçons. On se dirige vers Roche Plate. Et puis on est content. Hein, Philippe, on est content. Voilà. On est à la montée du bloc. Un putain de raidillon. Ce qui est cool, c'est qu'on vient de passer le 100e kilomètre. Il est 10h32, l'heure la plus chaude de la journée à La Réunion, c'est 10h32. C'est chaud. Il s'arrête de sa mère. Et voilà, même après 37 heures de course, je vais gagner 20 places d'un coup. Attention. Hop, hop, 20 places d'un coup. Hop, et voilà. Mais bon, toujours ça de prix. Bon, ben voilà. Vers il est à malheur. Fravine qui vient d'être pressée. Bonne petite montée. Un peu de encore une ravine. Horaire, enfin bon, c'est pas terminé. Ah, voilà, alors combien 40 heures, 40 heures, toujours qu'une heure de sommeil, mais on s'accorde 20 minutes à Dodane, à deux bras, et puis bah voilà, faut monter là-haut, hein. Tout là-haut, là-haut. Un peu attiré dans les jambes, je crois que c'est la 15e fois. Voilà, on est à deux bras, on vient récupérer les sacs. Voilà comment ça se passe. Là-bas, c'est le massage, pédicure. Là, c'est les médecins, l'infirmerie, la musique techno. Une piscine. C'est ouais, chaud. Oh là là, Caroline. Oh là là, bisous. Bisous, Caroline.
juste pour le plaisir de mettre plein de sel. Merci. Change.